En septembre, le jardin demande une attention particulière pour préparer l'arrivée de l'automne. Entre entretien, taille et plantation, il y a de nombreuses tâches à accomplir pour que votre espace extérieur reste beau et florissant. Que vous soyez novice ou expert en jardinage, ce mois est crucial pour prendre soin de vos plantes et arbustes. Découvrez dans cet article nos conseils et astuces pour entretenir votre jardin en septembre et profiter pleinement des derniers jours de l'été. Suivez nos recommandations pour un jardin resplendissant jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Nettoyage du jardin et prévention des maladies. Une fois les récoltes terminées, il est essentiel de nettoyer le jardin en évacuant les débris d'automne pour éviter la propagation des maladies et l'infestation par les ravageurs. En laissant des feuilles mortes, des branches cassées ou des fruits pourris sur le sol, vous créez un environnement propice au développement de champignons et de bactéries nuisibles pour vos plantes. Pour procéder au nettoyage, commencez par ramasser et composter les déchets végétaux. Ensuite, taillez les plantes vivaces et les arbustes, en veillant à éliminer les parties malades. Enfin, n'oubliez pas de désinfecter vos outils de jardinage pour éviter la propagation des maladies d'une plante à l'autre. Plantation et entretien des végétaux en septembre. En septembre, c'est le moment idéal pour planter de nouveaux arbres, arbustes, grimpantes et vivaces dans votre jardin. Assurez-vous de choisir des plantes adaptées au climat de votre région et de les installer dans un sol bien préparé. Profitez également de ce mois pour diviser les vivaces surchargées afin de favoriser leur croissance et leur floraison. Pour les grandes vivaces à floraison tardive, pensez à les tuteurer pour les soutenir et éviter qu'elles ne s'affaissent. Enfin, plantez dès maintenant les bulbes à floraison printanière, comme les tulipes et les narcisses, pour profiter de magnifiques fleurs colorées dès le début de la prochaine saison. Préparez le sol pour la prochaine saison. Septembre est également le moment idéal pour préparer votre sol en vue des plantations futures. Après avoir nettoyé votre jardin et récolté les derniers fruits et légumes, pensez à enrichir votre sol pour lui donner les nutriments nécessaires avant l'hiver. Le compostage des déchets végétaux, ajouté à une couche de paillis, peut améliorer la structure du sol, favoriser la rétention d'humidité et protéger les racines des plantes contre le froid. De plus, envisagez de tester le pH de votre sol pour ajuster son acidité en fonction des besoins spécifiques des plantes que vous souhaitez cultiver l'année prochaine. Si votre sol est trop acide ou trop alcalin, des amendements comme la chaux ou le soufre peuvent être ajoutés pour équilibrer son pH, assurant ainsi un environnement de croissance optimal pour vos cultures futures. Ce travail préparatoire vous permettra de démarrer la nouvelle saison de jardinage avec un sol riche et fertile, prêt à accueillir vos semis de printemps.